Bonjour, Grace. Comment ça va? J'espère que vous êtes tout bon. I hope all of you good. Aujourd'hui, nous allons faire une révision sur NT7. Today, we will take this revision 7. Question 1, question 1. Choisis la bonne réponse. Choose the correct answer. Here you will tell me what his job. C'est le coiffeur, le dentiste, le coiffeur. Très bien. C'est l'ingénieur, le comptable. Le comptable. Très bien. An accountant. And this girl, she is holding some flowers in her hand. Le vétérinaire, la floriste. Très bien. La floriste. Yeah, did you remember what dentist mean? Le dentiste, l'ingénieur. Le dentiste. The chef, did you remember? Le cuisinier, le médecin. Le cuisinier, très bien. Le coiffeur, le vétérinaire. The vet means le vétérinaire. And now, c'est la floriste, l'ingénieur. L'ingénieur, très bien, un ingénieur. C'est le médecin, le comptable, le médecin. Très bien. Turn the page and come with me in quiz question 2. Question 2. Mettre les lettres en ordre. We will arrange the letters to make a word. The first one, did you know? Yeah, come with me to see. Here, the first one, it will be floriste. Très bien, floriste. The second one, ingénieur, ingénieur. And this one down, médecin, médecin. And here, vétérinaire, vétérinaire, the vet. Okay, we will return to this page. Question 3, question 3. Here what we will do, relie, match. We will match the masculine with feminine. Here the first one, admettre. Did you know what it means? Yeah, admettre mean teacher, but he is a male teacher. So I want to say a female teacher. What's her name? Admettre, une maîtresse. The second one, un directeur, une directrice. Un cuisinier, une cuisinière. Un écrivain, a writer, une écrivaine. Très bien. Question 4. Read with me. Une maîtresse, teacher. Une cuisinière, a chef. Une directrice, a director. Une avocate, a lawyer. All of them feminine. The first one, she is a teacher, so I will write here what? Une maîtresse. Une maîtresse. A teacher. The second one, une directrice. Une directrice. And here, une cuisinière. Une cuisinière. Une avocate. Une avocate. And here, question 5. Question 5. Complete par le verbe avoir. Complete with the verb to have. So, I need here to write what? Verb to have. Did you remember? How we can say you have to add. Très bien. Let's see how we can write you have.
Tu y as, like that, you have, mal à la tête. It's mean you have a headache. Les clowns, it's equal they. I can say les clowns, the clowns, or I can say they. So, which one come with they? On. Les clowns ont un grand nez rouge. Les clowns ont un grand nez rouge. The clowns have a big red nose. Number three. J'ai une petite sœur. I have a young sister. Number four. Nous avons peur. We are feeling scared. Vous avez, you have, plural, une belle classe. You have a beautiful class. Question number six. We will write the numbers. 73 mean what? 60, 13, 70, 70, 72, 72, 74, 74, 71, 71, 75, 75. Again, 73. Okay, let's see it, but in order. We will arrange it. 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75. And the last question, question number 7, question 7. Écris une phrase avec le verbe avoir. We will write the sentence with verb to have. I wrote here, j'ai un petit frère. I have a young brother. You can write anything you want. Okay? And that's all for today. Merci et à bientôt.